bien, salut à tous, c'est Christophe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Retruck Simulator 2. Je ne fais pas beaucoup de vidéos en ce moment, d'ailleurs j'en ai jamais vraiment fait beaucoup. Voilà, je suis très pris par le temps. Donc aujourd'hui on se retrouve, pas pour la suite de ma carrière suivie, tout simplement pour présenter le nouveau DAF XF de Stanley, le 1.6, adapté à la nouvelle version du jeu aujourd'hui. Il est sorti aujourd'hui, donc voilà. Alors c'est un skin qui n'existe pas, c'est un skin que je fais moi-même par rapport à ma boîte virtuelle, à mon entreprise virtuelle, Snake Logistics. C'est le nom que j'ai donné à mon entreprise depuis le début où je joue à ce jeu. Et puis voilà, j'ai adapté un skin de Stanley, un de ces skins où vous pouvez changer la couleur, hein, vous voyez le noir et or, etc. Et j'ai mis mes propres logos, tout ça. Alors il n'est pas encore fini, il n'est pas parfait. Vous pouvez voir que j'ai rajouté mon prénom, tout ça, etc. Mais vous voyez qu'à l'arrière, voilà, il y a une petite erreur sur l'arrière. Voilà, les rétros sont pas faits encore. Voilà, je vais essayer de changer différentes choses. Alors, ce DAF, il est magnifique. Il évolue très bien. J'apprécie son travail. Franchement, il est super beau. Il a rajouté pas mal de choses. On va tout de suite monter à bord. Voilà, donc on peut voir que il adapte petit à petit les accessoires à l'intérieur. Là dernièrement je peux mettre le lit, etc. Il me semble que dans le 1.5 on pouvait pas. Il a rajouté une CB si je me trompe pas. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses qui sont sympas. Alors on découvrira ça petit à petit, hein, dans la vidéo. On va tout de suite démarrer le moteur. Voilà, on va retirer ça. Alors il a un magnifique bruit. On va sortir du véhicule. J'adore son bruit. Klaxon. Et les trompes. Voilà, non franchement il est top. Par contre on va relever. Alors par contre relever, vous voyez j'ai baissé l'essieu, mais ça sert à rien puisque les roues sont assez assez grosses. Voilà, on va laisser comme ça, ça change pas grand chose. Allez, on remonte à bord et puis on va tout de suite se prendre. Là-bas vous avez mon garage, hein, mon garage perso. Je sais plus quel c'est quoi le mode. Alors j'ai téléchargé plusieurs modes aujourd'hui. La nouvelle version pour les barrières. Les entrées de boîte et puis un mode où vous avez des nouvelles zones d'apparition des remorques chez Euro Acres, Triit, chez Ika sur le Scandinavie et France, le Vitas Power, Gommonde sur le France, le Boisserie sur le France et le Polarfish sur le Scandinavia. Donc on va aller tester ça tout de suite si on trouve un fret pas très loin. Alors est-ce que j'ai quelque chose? D'accord, ça sert à rien que je sois là. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va voyager directement ailleurs. Gestion garage, alors je sais plus où c'est qu'il y a des boîtes comme ça, comme Ika, tout ça. J'ai pas la liste sous les yeux. On va tester ça. On va essayer de trouver autre chose. Ah il pleut. Alors comme ça, c'est la fête. Est-ce que le point de parking était mis? Ok, alors qu'est-ce qu'on a comme fret? J'ai bien quelque chose là dans ce coin là. Parce que maintenant que j'ai commencé la vidéo, je peux plus trop m'arrêter. Alors, Ika. D'accord, Ika. Je vais transporter une de mes remorques. Une de mes remorques, ça le fait. Ouais, on va tester ça. On va voir si c'est dans la zone de téléchargement ou de déchargement. Je sais plus, je crois que c'est dans les zones de déchargement. Ah, je sais plus. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai pris comme fret, qu'est-ce que j'ai pris? Alors j'ai pris à Caterpillar. Mais je suis con. J'ai pris écoutez, c'est grave. On va faire comme ça. On va histoire de rouler un peu, si on tombe sur quelque chose tant mieux, et puis sinon tant pis, c'est pas grave. Allez, on allume les feux. Alors vous voyez l'éclairage intérieur, hein, qui est vraiment sympa aussi. Il est 13h36, on va mettre que les veilleuses. Et puis, on va y aller. Front parking, on lève. Le plein est déjà fait, donc pas besoin d'en rajouter.
J'ai activé le tracker, il bug pas là pour l'instant. Vu le temps qu'il fait à l'extérieur, voilà. Et puis chez moi, il fait que 16 degrés. Le radiateur qui a du mal, hein. Les radiateurs, ils ont du mal à chauffer la maison. Je sais pas pour vous si vous souffrez du froid, mais moi, franchement, chez moi, c'est horrible. Voilà, chez moi, c'est horrible. Putain, j'ai aucune vue. Voilà, c'est bon. Vraiment sympa ce petit DAF XF. Je l'adore. Franchement, franchement, il tape bien. J'avais hésité à l'essayer. Je me suis dit, ouais, ça doit être un mode hein, comme les autres. Il y en a souvent qui merdent. Comme j'ai pris le RJL, le Scania RJL, je l'aime bien aussi. Je ferai peut-être une vidéo prochainement. Mais ce DAF est excellent. J'adore le DAF comme ça, ouais. Mais d'origine, je l'aimais pas trop. Mais modé, franchement, il claque. Il claque bien. Alors, on va voir si déjà j'ai des barrières pour entrer dans cette entreprise. Je n'en sais rien en fait. Chez Ikea, peut-être pas, je sais plus. Alors les barrières, hein, c'est un mode où vous pouvez... si c'est là. Non, c'est pas là. J'ai un doute. Excusez-moi les gens. Parce que Ika vous rentrez à un endroit et en fait c'est pas le bon. Je sais plus où c'est. Enfin bref. Je me suis déjà planté. Qu'est-ce que je disais? Oui, il y a des modes, franchement. Ouais, bah c'est là. Ouais, mais il n'y a pas de barrière fermée. Ah si! Voilà. Comme je disais, j'ai pas la liste. Alors voyons voir. Voyons voir, voyons voir, et puis on ira rouler un petit peu. C'est dommage qu'il fasse un peu froid. Par contre, j'aurais, il y a pas plus court. Ah bah voilà, office fourniture. Alors ça, c'est une remorque hein, du pack Escolate. Carpentier aussi, Perrochaux c'est la mienne, et puis Citrans, je sais plus, c'est peut-être la sienne aussi, je sais plus. Mais on va faire celle-là. C'est parti, mes kiki. Ah voilà. Ça c'est sympa, vous prenez la mission, la barrière s'ouvre. J'adore ce mode, il se développe petit à petit, il y a une nouvelle version qui est sortie aujourd'hui, la 1.4. Ah, par contre, faut se décaler pour rentrer. La 1.4, qui est sympa. Et comme vous auriez pu remarquer en bas, là j'ai l'écran qui donne la caméra de fond. Voilà. C'est sympa aussi. Alors, allez où? Allez au fond. Donc je pense pas que ce soit ici qu'on va avoir des trucs. Je crois que c'est en déchargement en fait les zones. Je crois que c'est des zones de déchargement. Et je crois que sur ce compte j'ai pas activé le. Faire gaffe, j'ai pas activé le. L'avancée en. Ouais, j'ai pas activé l'attelage avancé, donc on va pas s'embêter. Relevage des béquilles. Allez, c'est parti! On y va. Bon, par contre, je sais pas ce qui s'est passé là. C'est pas grave. La sortie. Allez. Vous avez même le bruit. Alors les gens lui demandent de synchroniser en fait le bruit d'ouverture, etc. Alors je vous conseille c'est de pas chercher à avancer pendant que la barrière est en train de s'ouvrir, parce que même si vous croyez que vous passez, vous passerez pas. Hein. Il y aura comme un mur invisible. Allez, et normalement ça se referme pas tant que vous n'êtes pas passé, donc il n'y a pas de souci. On va aller à droite. Donc voilà, je me fais mon petit skin personnel. Pour le DAF XF de Stanley, alors je le partagerai pas hein, puisque c'est une modification de son stick, de son skin d'origine que je transforme comme je le veux. Non, vous me laissez pas passer, monsieur ou madame, j'ai pas vu. J'en sais rien, on s'en fout. Donc j'ai transformé le skin, mais c'est juste pour moi personnellement, donc il y aura pas de partage de quoi que ce soit.
Je ferai pas de skin. Par contre, j'en ferai peut-être d'autres. Des skins personnalisés. Mais sans avoir la possibilité de changer la couleur. Voilà, que je mettrai comme d'habitude là où je mets mes packs. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, mon pack est déjà à la version 1.11. Donc il y a eu des rajouts de remorques, etc. Et puis des corrections dans les erreurs, parce qu'il y avait un problème avec les tramways. Vous vous souvenez, dans ma précédente vidéo, j'en parlais. Donc voilà, j'ai réglé le souci. D'ailleurs, c'est Escolade qui m'a donné l'information. Je vous conseille d'aller télécharger son pack. Il est sympa. Il est bien complet. Et puis il y a aussi Elance qui crée des packs remorques, même si je trouve qu'elles sont pas encore au point. Mais bon, il a commencé, c'est déjà bien. C'est pas en ne faisant rien qu'on avance. Donc, au final, il faut tester. J'ai testé, j'ai adopté, c'est sympa, et puis voilà. Oh là là! Ça avance vraiment. Vous voyez, les voitures, par contre, elles sont toujours aussi. Oh là là! Oh, ta 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 ta. Attention, monsieur, hein. Ça coupe la route, hein. Je vous le dis, moi. Allez, on est parti pour le transport. Je salue toujours mon ami France Simu, hein. France Simu qui a parlé de moi justement dans sa précédente vidéo. Donc voilà, je le salue. Je vous invite à aller voir sa chaîne également. Fait pas mal de vidéos sur Train Simulator, particulièrement Fernbus aussi. Laissez passer, monsieur, ou vous avancez? Vous avancez? Allez-y. Je fais très gaffe aux voitures, hein, parce que franchement, l'IA, des fois. Alors le DAF XF de Stanley, c'est un 520 chevaux ou 560 chevaux, je sais plus. Il n'y a pas au-dessus. Il y a deux moteurs différents, mais il n'y a pas au-dessus de cette puissance. Donc des fois c'est un peu juste, mais bon, on va pas. Si c'est la puissance maxi du DAF, on peut pas aller contre et il faut accepter. J'ai aussi mis un mode de citerne, et franchement qui sont magnifiques. Voilà, j'ai pas eu l'occasion d'en faire un, mais c'est pas grave. De faire un transport avec une citerne. On s'embête là quand même. Est-ce qu'on mettrait pas un petit peu de radio? J'espère que. Ouais, je. Non. Pas mettre de radio, c'est pas la peine. Ouais, si, on va mettre un petit peu de radio. Qu'est-ce que j'ai en radio? Moi, j'ai pas beaucoup de débit. Alors des fois, il me faut un petit peu de temps. Ça risque de saturer, ça risque de laguer un peu la musique. Voilà, c'est arrivé. Tain, tain, tain. Tain, tain, tain. Na na na. Voilà, la musique s'arrête de temps en temps. Faut pas m'en vouloir. C'est normal. C'est mon débit chez moi. Oh là, radar, radar, qu'est-ce que ça fait? Allez, j'étais à 80 et quelques. Bon, j'ai une petite tolérance, hein, comme partout. On reste à 75, hein, c'est très bien. Il pleut. Pas besoin d'aller plus vite. On n'est pas pressé. Je vais refaire prochainement une vidéo sur The Hunter aussi, pour ceux que ça intéresse, qui sont abonnés à ma chaîne pour ça. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait non plus. Et puis bah là, j'étais en train de voir, là, ils sont en train d'installer dans ma rue les boîtiers blancs aux poteaux téléphoniques, etc. En vue de la fibre qui arrive. Je suis content. Tout à l'heure, ils étaient en train de passer des câbles et tout. Donc je me dis, bah bientôt, bientôt la fibre. Et là, je vais pouvoir faire des vidéos en masse, tout envoyer. Bon, j'en ferai peut-être pas une par jour parce qu'avec le boulot, j'ai pas le temps. Mais voilà, au moins, ouais, 2-3 par semaine, ça serait bien que j'y arrive. Ça serait bien que j'y arrive. Allez, on continue.
Donc aujourd'hui, on n'est pas sur le DLC France, on est sur le Scandinavie. Parce que le France, des fois, je trouve qu'il lag un peu, qu'il rame mon PC et je sais pas, c'est pas encore assez bien optimisé. On va commencer à freiner un peu. Ouais, faut anticiper toujours. Et je suis content parce que c'est une des routes que j'aime bien ici. Celle avec tous les tunnels, etc. On va arriver proche d'un péage. Alors je roule tranquille, même si mon plugin pour le volant ne fonctionne pas sur le DAFXF de Stanley, c'est normal, hein, il est pas adapté pour. Il faut faire gaffe, parce que j'ai mis un mode physique qui fait beaucoup de mal à la remorque si vous faites le con. Mais je pense que ça prend pas trop en charge avec le DAF de Stanley. Tiens, on peut voir une de mes remorques qui passe juste en face. Je suis en train de me mélanger dans les touches en parlant. Et puis on va prendre Autopass, hein, puisque j'ai mon boîtier. Ça va. 11 euros. C'est pas trop la misère. Et bientôt là, je vais investir dans un vrai micro. Un vrai micro de table. Le Yeti ou un truc dans le genre. Parce que mon micro de casque commence à rendre l'âme et puis ça fait pas une voix pure. Voilà, j'aime bien avoir une bonne voix quand je fais des vidéos. Et c'est vrai que quand je regarde mes vidéos, mes anciennes vidéos, je trouve que ma voix, voilà, elle suit pas trop, quoi. Donc ça serait bien que j'ai vraiment un vrai micro de table. C'est 50 et je suis déjà au-dessus de la vitesse. On va utiliser le ralentisseur. On peut repasser à 75. C'est dommage qu'il pleuve. Mais bon, voilà. Puis je suis content. Mon trackier aujourd'hui fonctionne bien. Depuis que j'ai réglé le souci dans mon pack, là, je trouve que le jeu est un peu plus stable. Alors ça me donne peut-être envie de me remettre sur la Pro Mode. Mais bon, il faudrait que je la télécharge, et ça m'embête un peu. Ça va me mettre du temps. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir des choses de spéciales sur ETS2 ou si... Oula, oula, je suis à combien? C'est 80 ici. Ok. Si vous voulez voir des choses spéciales sur ETS2, etc. Là, actuellement, je prépare aussi mon petit pack, un petit pack perso, bah pour ma boîte, hein, ma boîte personnelle, hein, la Snake Logistique, pour que ça remplace une boîte dans le jeu. C'est facile, hein, il n'y a rien de plus simple, hein, je télécharge un mode qui remplace déjà, comme par exemple le mode de Tamiel, et puis je remplace les images, les noms, etc. C'est facile, je l'ai déjà fait pour le transport Blondel. Je l'ai pas mis en vidéo, mais ça c'est personnel. Je transforme, je participerai, je partagerai pas non plus ce pack. Allez, il fait beau. On peut éteindre les lumières. Magnifique soleil. Là, je peux pas trop rouler, à la vitesse maxi. Sous peine de m'en verser, puis de pas trop voir où. Il y a les risques de rencontrer d'autres véhicules. N'hésitez pas non plus à me dire, hein, si vous aimez pas les vidéos sur Euro Truck Simulator 2. Je repasserai à autre chose dans ce cas-là. Mais voilà, moi j'ai bien envie, vous voyez, quand la FIP va arriver, ça sera une vidéo par semaine de chaque jeu. Voilà, une vidéo de Retruck, une vidéo de Hunter, et pourquoi pas une vidéo sur R3E, sur un championnat perso, etc. Vous présenter des nouvelles voitures s'il y en a. Et voilà, tiens, Doumen, une de mes remorques aussi. Et voilà, ouais, j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte parce que moi, ça me freine de ne pas avoir de débit,
mettre 6-7 heures à mettre une vidéo sur YouTube, ou la mettre sur mon téléphone pour l'envoyer quand je suis en 4G et revenir le soir pour remodifier la vidéo sur mon compte, etc. Ça m'embête plus qu'autre chose, quoi. Je m'embête, franchement, c'est du travail pour rien. Et c'est ce qui me démotive à faire beaucoup de vidéos. Donc voilà quoi. C'est pas très plaisant, donc j'ai vraiment hâte. Allez, on continue. Je suis en train de freiner tout le monde, moi, derrière. On va se mettre à 70. On peut commencer à freiner d'ailleurs. On va mettre le retardataire parce qu'on arrive en ville. On va repasser à 50. Très agréable, hein. Ce petit DAF XF, très agréable à conduire. Et avec le son du moteur, franchement, je le kiffe bien. Vous voyez, des petits ralentissements comme ça, là, j'aime pas ça. J'en ai pas eu beaucoup jusqu'ici, mais sur le DLC France, franchement, j'en ai plus que ça, quoi. Pourtant, je tourne avec un i7 4770K, la 980 GTX. D'ailleurs, je crois que je le rappelle à chaque vidéo, ce que j'ai comme matos. Mais voilà, il n'y a pas de raison que ça tourne mal. Je pense qu'après, il y a des compatibilités de mode, etc. Ça y joue beaucoup aussi. Des modes où il peut y avoir des erreurs. Donc moi, c'est ce que je vous conseille, c'est de, quand vous installez des modes et que vous voulez voir s'il y a des erreurs, vous allez sur votre game log texte qu'il y a dans les documents, hein, là où vous trouvez vos modes. Vous avez le game log. Et là, vous pouvez voir dans la liste où il y a des erreurs, quel pack. Et selon l'erreur, vous pouvez modifier vous-même le pack, quoi. Ceux qui sont bien sûr ouverts à la modification, ceux qui sont pas protégés par mot de passe. Et c'est comme ça qu'on moi on m'a j'ai mis en ligne un de mes packs, la dernière version, le 1.11. Et puis bah il y a un mec, hein, qui m'a signalé qu'il y avait des erreurs dans le game log. J'ai été voir ça, et puis en fait oui, j'avais des fichiers qui n'étaient pas des cargos, qui étaient placés au mauvais endroit. Je les ai supprimés, j'ai fait un update, une nouvelle version du pack, et ça a corrigé l'erreur, et le jeu était un peu plus stable. Voilà, et puis j'ai corrigé aussi la version du pack à cause du tramway, etc. En fait, il y avait des fichiers qui se mettent avec le TS2 Studio, ce qui empêche le spawn des tramways et de certains véhicules. Et depuis, bah mon mode trafic fonctionne mieux. Il y a moins de bordel. Et voilà quoi. Donc c'est des choses qu'il faut aller voir de temps en temps. Allez, on arrive bientôt au ferry. On arrive bientôt au ferry. Et on va aller prendre notre petit bateau pour finir notre cargaison. J'espère que vous trouvez pas que je conduis mal. Parce que bon, je trouve que je me démerde bien quand même. Je fais assez gaffe avec tous les boutons, etc. Pour penser à désactiver les essuie-glaces, etc. Ah, et une autre remorque Renault qui n'est pas la mienne, celle-là, je la connaissais pas. Ah, voilà, une autre version de remorque Renault. Parce que vous avez déjà dû connaître la mienne. Bah là, il y a les transports Blondel qui est à moi, la Autobac qui est à moi, la Buffa qui est à moi. Ouais. Franchement, c'est deux. Attendez, on va se garer là. On va éteindre le moteur. On va descendre voir un petit peu l'intérieur du ferry. Avec la remorque, et puis regardez ce magnifique DAF XF. Voilà, de toute façon, on peut pas le voir beaucoup. Et comme je disais, oui, je vous conseille franchement, c'est ça. Hein, c'est le pack des Scolaïtes que vous trouvez sur ETS2.lt, le mien, bien sûr. Puisque bah, il est devenu ami avec moi sur Steam, même si on se parle pas beaucoup, mais il est devenu ami avec moi, et puis je dois le contacter parce qu'il faut qu'on fasse gaffe de pas faire les mêmes remorques, quoi. Et nos deux packs ensemble, plus le dernier pack de Jezzycat, le Trafic, qui rajoute les camions dans le trafic, etc. D'ailleurs, tous les deux, Escolaïte et moi, on a des skins à nous qui sont dans ce pack. Et puis Jazzycat, hein, plus besoin de le présenter. Tout le monde le connaît sur ce site, hein, où il fait des gros gros packs de trafic, etc. qui sont super beaux. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, à aller télécharger ces trois packs. Il vous les faut absolument. Franchement, c'est ce qu'il y a de mieux.
Allez, on va prendre le bateau pour finir notre petit transport. Et puis on mettra fin à la vidéo. J'espère qu'elle vous aura. Ah bah il pleut encore. Franchement, on n'a pas de bol. J'aime pas la désactiver entièrement, la pluie. Parce que je trouve que ça fait pas réel. Sinon, c'est sympa de temps en temps avoir un petit peu de pluie. Il est quelle heure? 20h02. Je trouve qu'il fait un peu clair quand même pour 20h02. Mais oui, comme je suis passé au mode été, j'ai retiré le mode hiver. Histoire. Oula, je redémarre en première, ça fait pas. Histoire d'avoir un peu plus de chaleur par ce temps. Et puis on va finir ce petit transport. On va voir si ça emmène dans les nouvelles zones de déchargement. Peut-être pas, je sais pas, je les connais pas du tout. Alors je vous ai donné la liste, hein. Comme je le rappelle, il y a Euroacres, Triette, il y a Ikea Boag, c'est pas Ikea. Vitas Power, Gomme Mode, Boisserie et Polar Fish, où il y a des nouvelles zones de déchargement ou de chargement. Alors moi j'ai vu que du déchargement pour l'instant, j'ai pas vu de chargement. J'ai vu ça sur les vidéos, j'ai pas vu en vrai encore. Alors j'aimerais bien, faudrait que je les connaisse par cœur en fait pour savoir où elles sont. Mais je pense qu'on va laisser la chance de pouvoir les découvrir soi-même. Vous voyez les garages fermés par une barrière, etc. C'est sympa aussi. Alors vraiment, vraiment plaisant Euro Truck. Hein. Bon, en ce moment, franchement, je prends mon pied dessus. Je trouve qu'il est de mieux en mieux, quoi. Il n'y a pas à chier. Hein. Puis quand vous avez le matos pour rouler avec. Vous voyez ce que je disais? Voilà, le pack trafic. Des skins complets sur les camions et les remorques. C'est vraiment sympa. Alors, ouais, je disais, il est de mieux en mieux. Par contre, faut trouver un bon mode pour le trafic. Je trouve que le mien fait un petit peu laguer. Alors, je vais essayer le trafic jam. Apparemment, il y a Mister German Truck, hein, vous savez, celui qui fait des vidéos sur tous les modes, qui en a mis un. Alors, il faudrait que je le teste. Il y a des nouvelles versions qui sont sorties. Il faudrait que je voie ça. La Gel Group. Il y a vraiment des beaux skins. Donc ouais, je vous conseille, hein, franchement c'est le trafic, le Jazzy Cat Trafic, hein, le pack, la dernière version, le 4 points, je sais plus quoi. Qui est vraiment sympa quoi. Alors Francimu disait que ça faisait ralentir, moi je trouve que c'est pas ça qui me fait ralentir. Je vous dis, il faut vraiment vérifier dans votre game log les modes qui peuvent vous faire ralentir le jeu, ceux qui ont des erreurs, etc. Ça peut arriver. Hein. Donc allez où ma clope? Excusez-moi, je prenais ma clope. Alors aujourd'hui, il n'y a pas Miska dans le camion avec moi. Hein. Elle sera là la prochaine fois, mais je pense que mes vidéos actuellement, elles vont être sur le DAFXF. Alors il faudrait que je développe ma partie personnelle, ma carrière suivie, pour pouvoir me l'acheter, etc. M'acheter tout le matos. Donc il va falloir que je roule un peu parce que je peux vous dire que je galère. J'ai eu un accident l'autre fois avec le Mercedes, hein, le MP4, et ça m'a coûté la peau du cul. Et là, je paye des crédits et tout pour développer la carrière suivie. Et comme j'ai pas envie de tricher, j'ai pas envie de mettre de mode où je rajoute de la thune, etc. facilement, et ben, je galère un peu à faire remonter. Donc de temps en temps, je viens sur ce compte rouler avec du vrai matos, équipé, etc. Tester des modes. Et donc voilà, moi celui-là, le DAFXF, j'ai vraiment vraiment accroché dessus. Je l'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, moi je l'aime bien. Je vous invite à l'essayer. Vous trouvez des skins sur ETS2 LT, et comme j'ai le template, je pense que je vais en faire aussi. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un skin sur le DAFXF 105. Et puis voilà, quoi. N'hésitez pas à me demander. Et je sais comment on modifie aussi la lightbox. Donc si vous avez besoin, pas de problème pour mettre votre nom sur le DAF. Sur la lightbox, comme moi, c'est marqué Christophe tout en haut. N'hésitez pas à le faire. Et je suis un peu bête parce que j'ai pas pris de screen de. Bon, je prendrai un screen à la fin. Histoire d'avoir un screen pour mettre sur la vignette de la vidéo.
Et puis j'espère que mon micro a bien fonctionné parce que j'ai des petites coupures, des fois il claque et c'est vraiment pas agréable. Donc à chaque fois j'arrête la vidéo parce que dès que le fil bouge en fait ça me casse tout quoi. Tout est mort. Allez, on arrive bientôt. On reste à 80 km/h, on est très bien, vitesse maxi, de toute façon il pleut. Et puis on n'est pas en retard, hein, pas besoin de rouler trop vite. Oh, les lumières se sont allumées. J'ai mis aussi le City Light, hein, si je me trompe pas. Qui évite que la lumière soit trop blanche, hein, la nuit. Puis on n'entend pas trop fort la radio. Mais de toute façon, elle fait que de couper, donc c'est pas grave. Ça aurait été bien d'avoir un petit peu de volume quand même. Christophe, remets un petit peu de volume là sur la radio là. Mettre un petit peu de plus. Parce que j'ai pas la touche pour la radio. J'ai pas la touche de volume. Donc je sais pas du tout laquelle c'est. Voilà, c'est pas trop fort, c'est agréable à conduire comme ça. Donc comme je disais, hein, moi j'ai pas de débit, hein, tout le monde le sait maintenant depuis le temps que je le dis. Voilà quoi, j'ai même pas 2 mégas, donc bah, il suffit que vous mettiez la radio de la de TS2 et après c'est mort, hein, je peux plus parler sur Discord, je peux plus rien faire. En plus, je sais pas, là, cette musique là, y a rien du tout en son. Mettre le radar, je l'ai mis un peu tard. Oh. Petit virage là, en montée là, short hein. J'avais pas fait gaffe à ça. Alors là, si vous mettez les low châssis, comme le mode existe là, si vous baissez le châssis, moi avec mon mode, mon plugin pour le volant, le G27, je pense que je touche un petit peu et j'aurais du mal à tourner, etc. Allez, on va arriver à destination. C'est quoi cette musique là? Y a pas de voix, y a rien. Bon, au moins je serais pas emmerdé avec le copyright. Le bus tourne. Personne à droite. Voilà. Petit passage de vitesse un peu trop rapide. Alors, où c'est que je dois aller déposer ça? Ok, on doit déposer ça dans le coin. Il me semblait qu'il me proposait normalement où je dois. Je sais plus, avec tous les comptes que j'ai fait. Alors. Je vois pas le. D'accord, c'est là-bas. J'aime pas me garer avec ce rétro là, j'ai du mal à voir. Vous voyez, là je suis en train de m'emmêler. Je vois pas assez bien. Quand les rétros sont mal réglés. Je pense que je suis un petit peu en dehors. Ça va pas me le prendre, je pense. Si, c'est bon. Bah si, parfait. Allez, on coupe les essuie-glaces.
On coupe la lumière. Le frein de parking. Je suis toujours en essuie-glace. Voilà. On coupe le moteur. On descend du véhicule. Et on se met le... On se met les... On remet les béquilles. Et puis voilà, notre transport est fait. Alors, 288 km en temps de transport 8h06, carburant consommé 115 litres. Parfait. Et on continue. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se revoit une prochaine fois. N'hésitez pas à commenter, hein, même si c'est des critiques et autres. Moi, je suis ouvert à tout le monde, je suis ouvert à toute proposition, etc. N'hésitez pas quoi, like et commenter ma vidéo. Sur ce, je vous bise et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Allez, ciao les amis.